Maintenant que vous avez vidé vos sacs de drainage, je vais vous démontrer comment changer votre sac de nuit à un sac de jour. La première étape, comme toujours, c'est de laver les mains. La deuxième étape, c'est d'assurer que le sac de jour est proche du sac de nuit pour que l'échange se fasse rapidement. La troisième étape, c'est d'enlever le cathéter du dispositif de fixation, comme ceci. La quatrième étape, c'est de laver ou frotter avec un tampon alcoolisé le bout du cathéter qui s'attache au sac de drainage. Vous voulez frotter pour 30 secondes et ça prend environ une minute pour que ça sèche. Une fois que c'est sèche, vous voulez enlever le capuchon du sac de jour et avoir le sac de jour dans vos mains. Vous voulez ensuite pincer le cathéter pour assurer qu'il n'y a pas d'urine qui coule et enlever le sac de nuit comme ceci. Ensuite, rapidement, vous voulez mettre le sac de jour, le bout du sac du jour dans le cathéter et faire sûr que c'est bien fixé comme ceci. Et vous mettez le capuchon bleu dessus le sac de nuit pour assurer que le sac est nettoyé. Vous ne voulez pas mettre le bout du sac de nuit sur le lit sans le capuchon ou sur le plancher pour faire sûr qu'il ne devient pas contaminé. Ensuite, la prochaine étape, c'est de remettre le cathéter dans le stat lock, comme ceci. Une fois fixé, vous pouvez maintenant attacher le sac du jour sur la jambe. Vous avez deux élastiques en haut et en bas du sac de jour. Vous voulez attacher les élastiques et faire sûr que vous pouvez mettre deux doigts comme ceci en dessous de l'élastique. Ceci assure que le sac est assez serré pour rester en place, mais assez lousse pour permettre le confort. Vous voulez aussi voir que l'urine coule dans le sac de jour pour assurer que le système fonctionne bien. Vous gardez le sac jusqu'à ce que vous allez vous coucher. Quand vous voulez vous coucher, vous allez échanger le sac de jour pour un sac de nuit et vous allez suivre les mêmes étapes pour assurer que le sac est bien fixé et que l'urine coule dans le sac pour la nuit. Merci.